Et bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, toujours accompagné de l'incroyable Dark Funeral, et on se retrouve pour l'épisode 9 de notre incroyable aventure. On va faire comme si on s'était pas vu depuis 10 minutes. Comment vas-tu, Vuvu ? Eh ben écoute, je vais super bien, et toi, comment vas-tu ? Eh ben je vais super bien aussi, et les gens sont très contents de nous retrouver à chaque fois en vidéo, et je suis très content aussi de faire cette aventure avec toi, sache-le, ça rappelle ta l'époque, comme ouais, on dit, exactement, évidemment. Comme ça qu'on dit. Donc, c'était quand même assez insane, sachant que beaucoup de gens sont en mode, ah, Day and Night 2, pas terrible, mais en vrai... Bah, c'est le 1 en mieux, en fait. Exact. Il faut le dire. Oui, c'est ça. C'est le 1 en mieux et... Bon, après, le mis plaisir... à part les problèmes de la VF, en vrai, je sais pas si j'aurais kiffé de ouf le jeu en solo comme là, je le kiffe, tu vois. Bah, alors, je pense qu'en solo, je l'aurais pas kiffé, mais si tu te souviens bien, le 1, si on n'était pas 2 et on le faisait pas 2, c'était pas... Tu vois pas... C'est le côté aventure qui est bien, tu vois. Bien sûr. T'es pas comme ta mère. Ah. Et puis c'est moi qui commande ici. Prépare tes hommes. On va donner ces maudits cristaux à Joe. Putain de lâche. Je sais ce que tu penses, mais on doit l'écouter, Herman. C'est pour le bazar. Rien que pour le bazar. Sophie. Du calme, Herman. Il a sauvé Barney. Tu te souviens ? Un type intéressant, ton petit frère. Vous ne vous entendez pas, c'est ça ? Disons que ça n'a jamais été le coup de foudre. Barney a son mauvais côté. Mais sa loyauté est... Et avec tant de problèmes dans le vieux Ville d'Or, j'ai besoin de personnes de confiance. C'est quoi ces problèmes ? T'es un peu curieux, pas vrai, Aiden ? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux savoir ? Ok. Pourquoi Barney m'a-t-il abandonné ? Les cristaux sont inestimables. On en a besoin pour une transaction. On apprend un petit peu plus sur le lore, mon cher. Et tu vas maintenant pouvoir aider. Et elle a parlé des Stalkers. Non. Je vois pas en quoi je les ai aidés. Barney était choqué quand il a appris pour Birdie. C'est pour ça qu'il s'est barré. Il veut le meilleur pour le bazar, Aiden. Il pense nous protéger. C'est qu'un gamin. Il n'était qu'un adolescent quand notre mère est morte. Mais déjà avant ça, quand il était petit, on ne pouvait compter que sur nous-mêmes. Maintenant qu'il est adulte, il n'a plus besoin de personne. Mais plus il cherche à aider les autres, plus il souffre. On dirait qu'elle a 40 ans quand elle nous dit ça. La querelle avec Carl, c'était quoi le motif ? Disons que la mort du commandant des pacificateurs n'a fait qu'empirer nos problèmes. Regarde autour, Aiden. Qu'est-ce que tu vois ? Exactement la même église que quelque chose précédente. Que ceux en dehors des murs n'osent même pas imaginer. À la bougie vraie. Toutes ces personnes seront mortes avant la fin du mois. Exact. Pourquoi ? Hein ? Parce que toutes nos réserves d'eau... vont très rapidement s'épuiser. Il y a 2 semaines de ça, Joe, un voyou du coin, et son pote Jack se sont emparés du seul château d'eau de tout le secteur avec leur bande. Il y a peu, ils vivaient au bazar. Mais Carl les en a expulsés à cause de leurs arnaques. Ils ont décidé de se venger. Ils ont miné le château d'eau et menacent de le faire sauter si on ne leur verse pas un paiement hebdomadaire sous la forme de médicaments, d'aliments et de cristaux. Qu'est-ce que tu vas faire ? Le nécessaire. J'ai promis d'aider Carl. Tant qu'il est au pouvoir, on va payer Jack et Joe. Et ils vont continuer de nous presser un peu plus à chaque fois. Encore et encore. La sécurité des miens est ce qu'il y a de plus important. Tu as prouvé que tu étais digne de confiance. J'aimerais te demander de nous aider. Carl pense que Joe va tenir sa parole et qu'il va nous donner accès à l'eau. Mais moi, j'en doute fort. J'ai envoyé des hommes négocier avec eux. Et je ne veux pas de mauvaises surprises. Carl et les miens ont déjà désigné le lieu où procéder à l'échange. Veille à ce que tout se passe bien. Je dois aller surveiller. Ouais. À une distance discrète. Ah ? Peut-être une filature ? Oh, ça c'est beau ça. Une petite filature, est-ce que tu te sens discret en ce moment ? Je me sens très discret. Regardez, venez, je vais vous montrer une technique tout simple. Là, tu me vois ? Attends. Ouais. Attends. Là, tu me vois ? Non, bougez-vous. Là, tu me vois ? Là, tu me vois plus. Là tu me vois. Là tu me vois plus. Là tu me vois un peu. Tu me vois plus. Là tu me vois. Allez, on va dormir un petit peu. Eh, on y va deux jours, hein, c'est une filature. Parce que moi sinon je vois que dalle. Bah, il fait jour là, faut pas y aller, hein. Oh putain. T'es sûr qu'il fait jour là ? Bah, 8h26, let's go, le soleil se lève. Ah, un petit soleil avec une petite flèche. Ou un petit bol de céréales quelque part ? Oh, j'espère qu'il y a des Kit Kats. Ouh, il y a une petite. Pourquoi des Kit Kats ? Bah, je voulais dire des Krusty Bats, mais c'est pas ça le nom des céréales. Des croustilles. Des crunchs.
Ah oui, non mais alors attends, ça passe de Kit Kat à Krusty Bat à Crunch, t'as un problème mon ref. Hein, non mais je suis pas très tourné céréal. Hein. Voilà. Oh mais qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez jeté un couteau de lancer en même temps, vous avez sauté. Aiden, il se passe quelque chose. Ah. Ok, j'ai tenté un truc que je pensais stylé dans mes... Viens hurleur. On le tue. Quoi? Où ça? Où ça? Là. Où ça? Devant moi. Vas-y, tu devrais le faire tout seul. Il est en train de souffrir au soleil. Il est mort, on peut ramasser le truc. Bon, en fait c'est pas mal puisque là il y a des restes de zombies qui étaient dehors. Bah oui. Oh putain mais y en a plein, go, profitons-en. Vas-y, j'arrive. Ok. Vous pouvez pas défouiller pour les petits trophées? Oh attends. Là y a un autre infecté space. Je sais pas, il crache du bordel. Ok, encore un trophée ici. Ok. Et là y a un cadavre un peu bizarre. Ok, encore un hurleur. Ok. Vas-y, on peut se casser. Oh, on peut se tirer. Ne forçons pas trop, point trop d'infos, mon cher Fufu. Exactement. Hop, brisage de nuque, on est dans un coin sombre. Des le mec, à peine rentré dans le bâtiment, il brise toutes les nuques du bordel. Genre, c'est Steven Seagal là. Je te jure. Hop, brisage de nuque. Y'a rien hein, dans la maison. Ouais, mais hey, c'est un petit coin sombre et ça fait de l'XP, mon ref. Oh putain. Là, coin sombre. Hop, brisage de nuque. Attends, viens parce que je crois qu'il y a un bail. Bah alors? Et lui, plutôt deux fois qu'une. Il veut pas mourir. Y a pas un bail là? Mais ça c'est quoi ces coins sombres où on peut rien faire? Bah c'est juste pour que si toi tu traverses, tu vas le paguer par tous les zombies de la terre en pleine journée. Ok. Ceci est fort embêtant. C'est à 60 mètres. Oh, regarde. Là, il y a des bails. Là. Oh, attends. What the fuck, les amis? Ah, c'est une arme d'opportunité. C'est-à-dire? Oh, bon, en fait, d'opportunité. Ils en ont parlé dans la vidéo. En fait, c'est des armes qui traînent que tu utilises, tu sais, genre une seule fois, quoi. Détecté. Regarde, tu vois, genre. Ah, bah, c'était pas fou, mon opportunité. Hein. Je vois des bandits. Attends, mais j'ai mis. Et un tas de cadavres, Sophie. Oh, c'est humain. Ok. Là, travaille tes meilleures esquives. Attends, c'était quoi déjà? Dans la zone de quête en fait. C'était, oui, bah oui. C'était quoi le truc déjà où on pouvait sauter? Oh, mort. Oh, décapité même. Sa tête elle est restée en l'air tellement il était choqué. Ouais, esquive. Okay. Un esquive-moi là. Il y a un bail. Ah oui, en fait, faut que tu fasses une parade, tu sautes et après tu fais un. Oh non. Non. J'appuie dans le feu. Ouais, c'est exactement ce que j'allais faire. Ça n'a aucun effet. Non, je pense qu'il faut que tu jettes un couteau de lancer, ça peut être pas mal. Non, bah non. Oh, il y a une belle caisse derrière lui. Ah, Suzy. Carl. Ils ont embarqué Carl. Quoi? Où ça? Dans leur campement. T'as remarqué tout le monde a des bleus sur l'œil droit? Ah oui, c'est... Suzy. On sait comment, hein. Suzy, en fait, où sont les cristaux? Que des gauches. Suzy. Exact. C'est la maladie du village. Sophie, j'ai trouvé Suzy. Elle est morte. Quoi? Tu l'enterres déjà, frère? Bah d'abord, regarde, elle a un œil, mais regarde vide. Maintenant, elle. Ah non, elle bouge les yeux. Bordel. Merde. T'aurais rien pu y faire. Hop, on ouvre la caisse, hein. Allez, bas les couilles. Sauf que je les ai envoyés ici. Où qu'est-ce que... Les hommes de Joe ont enlevé Carl. Et je vois pas le cristaux. Oh putain, je me suis chié dessus. Mais moi aussi, j'entendais pas un bruit, là, c'était un bug. Oh putain. Quoi? Pas problème. T'as des couteaux de lancer? Un pauvre fils de pute bien moche. Oh là. Ouais. Vous ne connaissez pas sa mère, genre il a l'air très adorable, je vous permets pas de le juger. Dites de faciès ça. Ah, et maintenant je comprends pourquoi il y a. Voilà, dans sa gueule, hein. Balance le bordel. J'ai plus de lancer de couteau. Mais non, pourquoi tu fais ça? Bah, ça lui pète à la gueule. Viens. Hop, mort. Esquive. Ah. Oui, qu'est-ce qui se passe? Fufu, mais attaque-le, bordel de merde! Regarde! Mais non, derrière toi, Fufu! Regarde! Mais vas-y, tire, mais fais quelque chose! Ah, regarde, je jette des bonbonnes! Oh putain, tu sers à rien! Attends, Fufu, faut vraiment que je me soigne. J'ai plus de soins. Ah, si, j'ai des soins. Ok, j'ai. Oh, mais le bâtard, il fait ça, c'est Garen! Hein. Ok. Attends, faut que je change d'arme. Prendre mon arme qui fait feu. Y'a un bail sur le man là. En fait, on va le tuer d'abord.
Ouais, c'est bon, j'ai. Ah, c'est comment bon, il est en feu. Comment? Ah putain, c'est R1 pour esquiver, ok. Je cherchais la touche depuis le début, hein. Mort, GG gros. Là on le fout, il va régaler. Ah putain. Mais il veut quoi lui? Tu veux du ping? Mais qui, moi? Non mais le zombie, il m'attaque. Allez. Oh, il est debout. Ouh, trophée infecté rare. Oh là, est-ce que vous voyez ce que je vois? Regarde là. Attends. Cavité sombre. Regarde, 19 mètres, 20 mètres. On va fouiller d'abord. Et on ira voir. On va faire la cavité sombre en premier au cas où. Parce que je pense que ça peut être vraiment ouf, tu vois. Et tu sais que si on repousse, on peut ne pas le faire. Ah non, mais t'inquiète pas, on fouille ça, comme ça on est libre. Non, attends. Oh, c'est bah marrant, c'est... Ça... c'est qui, c'est Arche? Ok. Tu m'aides? Bah, en fait, je suis en train de me faire embrouiller par 3 zombies. Ok. La mort me. Ça s'arrête jamais! Tu veux vraiment fouiller le dernier ou on fait la cavité? En vrai, on peut fouiller le dernier, hein. Ils vont nous dire, ah, faut aller là-bas, on y va pas et. Ok, vas-y, fouille. En fait, j'arrive pas, y'a trop de zombies. Ah, inhibiteur détecté! Sophie. Tu l'as eu? Ils ont tout pris. Non, et toi? Il est par là, je pense qu'il est dans la cavité sombre. Non, mais attends, il fait jour là, allez dormir, non? J'en ai assez de jouer sur la défensive. On se retrouve au campement de Jack et Joe, sur le toit du pont routier. Ok. Alors. On va chercher Carl. Inhibiteur détecté, où est la cavité là? Là, ici, je la vois à travers le mur, là. Ouh. Ok, là ça n'a rien à voir avec là où j'ai eu le premier signal. Donc. Regarde, 16 mètres quand on vient là. Non, mais attends. Regarde là. Tu vois pas? Il y a un petit logo. Comment ça se passe? T'es revenu, mec? Violet. Merde. Ouais, je deviens sentimental. Mais... je l'avais encore jamais dit à personne depuis mon troisième divorce. J'apprécie, mais attends, te fais pas de fausses idées. Comme pour un mariage. Regarde. T'as appris quelque chose sur le meurtre du commandant? J'ai entendu le frère de Sophie mentionner un truc sur la mort de Lucas. Oh oui. C'est tout pour l'instant. Oh oui, Bichette, viens. Ils ont un plus gros problème. Les bandits dont t'as parlé, ils ont kidnappé Carl. Eh merde. Ouais, exactement. J'aide Sophie à le récupérer. Bien. C'est bon, je suis dedans. Ça pourrait nous aider à découvrir ce qu'ils savent. Zone chimique. Fais bien attention. Oh, putain. Il pourrait on avoir tient pas beaucoup dedans, hein. Mais si tu y parviens, Aitor nous mènera au centre. T'as une info? T'as quelque chose? Ok, là. Quoi? Quoi? 25 mètres, 24 mètres. Attends, je remonte, hein. Attends, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça n'a 20 mètres, 19 mètres, 18 mètres, 16 mètres, 18 mètres, 20 mètres. Là! Tu l'as? En fait, on n'a pas cassé la porte ici. T'es où? En haut. T'es en haut? Ouais. Oh non. Verrouillé de l'intérieur. Ah, bah voilà. Attends. Attends, j'ai un truc aussi ici. Ok, j'ai un truc ici. Ok, je l'ai. Tu l'as? En hauteur ou en bas? Oh putain, c'est en haut. Verrouillé de l'intérieur. Je déverrouille ici. Déjà. Oh, y a un truc sur le man là. Une statuette de cristal. T'es où? Je suis en haut. J'essaie de trouver comment. Crochetage difficile. Oh, fais chier. Tu veux que je le fasse ou tu le fais? Vas-y, je fais. Vas-y. Mais non, mais là, il y avait. Regarde, gros, je suis dedans. Bah, Bibiche? T'es dedans comment? Ah oui, bah, par là? Ouais. C'était un peu con. Voilà. Ouais, mais c'est pas ici le truc. Ouais, mais y'a quand même des trucs. Tu veux pas qu'on sorte et qu'on revienne? Non, regarde. Attends, y'a un bail. Il me reste 40 secondes. Ça va le faire, crois en moi. Regarde, t'es prêt? Je viens de désactiver un bail. T'es quoi? Ouais, mais le problème c'est que t'as 30 secondes pour crocheter le truc, hein. Je m'en occupe. T'as combien de timer, toi? C'est bon, c'est ouvert. J'ai 30 secondes. Oh putain. Hop, go. Oh, je regarde pas ce qu'il y a, je ramasse et je me tire. Hein. Ok. Oh, y'a un coffre. Accroche-toi, je me tire. Je reviens. On se tire, ouais. On se tire par où? En par hauteur? Là. Tout droit. Oh non, on est mort. Non, non, on remonte là, regarde. C'est bon, regarde. Ok. Et encore, c'est même pas ce que je pense, hein. C'est même pas ce que je pense, hein. Parce que là-bas, il y avait le signal, hein. C'est pas là le signal? Non. Je ne pense pas. Parce que t'as vu, pour l'instant, on les a toujours. Attends, pas. Attends, non, c'est là, c'est là. Oh, c'est où? Merde, à chaque fois, je me foire. Non, t'es... non, c'est là, gros. Non? Bah attends, mais... Non, c'est là, Bichette. Non? Ah non.
Non, c'est en haut, c'est en haut. Mais il y avait un truc à récupérer ici. On sera putain d'enfer. C'est là, c'est là. Non, mais on est aveugle de ouf, c'est terrible. Ouais, crochetage. Mais attends. Non, mais il faut trouver. Non, c'est un crochetage. Oui, crochette. Inhibiteur à proximité. Et on l'a toujours pas, hein. Donc il y a des trucs de ouf ici, hein. C'est bon, c'est ouvert. Ok, il y a quoi? Un ancien. C'est de l'argent. Mais c'est de énorme. Là, regarde. Il y a beaucoup d'argent. Là, il y a de l'alcool. Ok. Quel enfer. Tu sais, c'était pas assez de nous mettre un truc là, de nuit, là. Des cristaux encore. Ça, c'est pour nous, je pense. Ouais. Ouais. Prends. Bonne valeur. Ok. On fait quoi? Mètres. Ah là! 8 mètres. Non, j'ai l'impression qu'il y a une pièce ici, regarde. Là, là, là. Attends. Ok. Je descends ici pour voir. On remonte, je remonte, problème. Info pour toi? J'ai rien trouvé. Je suis in the sauce. Ok. Remonte, hein. Ouais, je vais remonter parce que là. Ça pue le. Attends, est-ce que tu continues de fouiller ici et moi je vais fouiller là où ça dit des bails là-bas, tu vois ou pas? Vas-y, on fait ça. Parce que là j'ai l'impression que sinon. Là il y a des. Là on me dit un truc là. C'est pas possible! Ok, t'as quelque chose? Non, c'est horrible, ça me dit qu'il est genre à 8 mètres. Je crois que je le vois. Je le vois. À travers le mur, mais. Attends, conteneur d'inhibiteur. Donc c'est le même qu'on voit, non? Tu le vois, il est en hauteur, il est vers où à peu près? Bah là, il est. Comme s'il était planqué derrière un escalier, genre. Le jeu, hein. Sur les escalades, hein. J'arrive. On va le trouver. Attends, mais il y a une porte ici. Merde, t'es où? Je suis tout en bas là. En fait, il y a une porte ici donc on peut sortir. Ouais. Je sais pas quand je fais le truc, ça me dit qu'il est. Enfin, j'ai l'impression qu'il est là. Il est où pour toi, bon? Là, devant moi, derrière ce mur. Dans ces cas-là, viens, j'ai une idée. Voilà, c'est ici. Tout simplement, gros. Voilà, regarde, bichette. Tu vois? Nice. Et bah, là, juste à gauche. Nice, bien joué. Et ben voilà, tu vois. Allez, inhibiteur. Hop. On a plus tu un. Tu performes quoi? Amélioration santé et endurance en plus? Non, on peut choisir là. Ouais, normalement. Ouais, on peut choisir. Je sais pas, j'ai envie de remettre l'endurance. Moi, j'ai envie de full farm l'endurance aussi, hein, je t'avoue. Vas-y, viens. Endurance. Comme ça, on débloque les trucs d'endurance là et. Hop, je suis sorti par derrière. Bon, c'était pas évident, mais on l'a fait, hein. Compétences, peut-être. T'as déverrouillé quoi? L'endurance. La santé vous permet de subir plus de dégâts. En fait, je trouve qu'on galère pas trop encore avec la santé. Ouais, j'avoue, hein. Mais l'endurance, genre, pour escalader et tout, c'est horrible. La santé, c'est chiant. Ouais, j'avoue, endurance. Par contre, après, viens, on focus un peu la santé, quand même, en vrai, non? Ouais, bah en fait, faudrait que je regarde ce qu'on peut débloquer avec la santé. T'as fait quoi? Attaque puissante? Maintenez R2 et relâcher, ça peut être pas mal, ça, hein. Maintenez R2 et relâcher. Ouais, je déverrouille ça. Ah, j'avais pas vu qu'on avait gagné un point de combat. Eh ouais. Ça va vite quand on s'amuse. Oh, et même s'il se protège, il est baisé. Ouais, on prend ça direct, hein. Comme ça, on boum boum. Oh putain, oui, ça a l'air pas mal. Oh, la glissade, c'est une compétence. Oh les salauds. Ok, effectivement, on a bien plus de. Non, c'est beaucoup plus agréable. Hop. Alors. Parce que c'est surtout qu'il y a des endroits, tu sais, comme le moulin. On a combien d'endurance maintenant? T'as dit quoi? Le moulin. Tu te rappelles, il y avait un moulin qu'on pouvait pas prendre parce qu'on avait pas assez d'endurance. Il en fallait 160. Ouais. Et je me dis combien on en a là maintenant. Non mais attends, comment. On a 160 d'endurance. Mais on les a tous fait les moulins, non? Non, il y en a un, on était tombé dessus et ça disait que le prérequis, il fallait 160 d'endurance pour le finir. D'accord. Et on l'a pas fait. Et tu te souviens où il est ou on peut regarder sur la carte après peut-être? Bah techniquement c'est celui qui a 38 mètres parce que c'est le seul moulin qu'on a déverrouillé mais. Enfin qui est sur la carte mais qui est pas du tout, c'est lui là. Ok j'arrive. Il est où?
Ah, celui qu'on voit là-haut, là ? Non. Celui où je suis, là. On se le fait ? Ah bah... Oh putain, mais il y en a même un autre juste là-bas ! Attends, il y en a deux, on peut se faire les deux ! Non mais attends, est-ce qu'on l'a pas fait aussi, l'autre ? Là-bas, impossible, il est même pas marqué sur ma map. Ok, vas-y, go. Je pense qu'il y aura des choses à déverrouiller après. Mais alors, Fufu ? T'en penses quoi ? J'ai raté le coche. Non, vraiment ? Non, mais en fait, j'ai sauté trop tard. Bon, de toute façon, en vrai, t'as peut-être même pas besoin de me rejoindre, hein. Non, pas besoin, forcément, non. Ok, j'y suis. Ouh. Allez, j'actionne. De quoi, qu'est-ce qu'il y a, Bibiche ? Est-ce que tu vois ce que je vois ? Non, je change les câbles. Ok, j'ai rien touché. Parfait. Il débranche, il check, il fait ok, c'est les bonnes couleurs. Appelle les charpentiers ! C'est parti ! Pour votre gauche, vous apercevez du clipping. Ok, et là, y'a personne qui... y'a personne qui vient, tout le monde s'en bat les couilles. Est-ce que tu vois ce que je vois ici, là ? Attends. Jumelles, pardon, excuse-moi. Jumelles... Je vais... Quand tu l'avais marqué, j'ai fait suivre un parachutage. Y a pas Norway... Oui, je me souviens du parachutage, bien sûr, quoi. Bah, il est à 100 mètres. Sur la droite, là où c'est écrit stay away. Putain, tu veux vraiment le faire? Bah... Déjà là, je marque des trucs, il y a un métro. Faut voir ce que ça donne, ça se trouve, ça va donner un truc lourd. Hein. Attends, je suis sur un DOS. J'ai un bail. Ok, encore une planque de traceur. Par contre, je suis grave en galère de camomille là. Ok, encore un parachute. On fait l'autre moulin ? Bah en fait, le moulin, j'ai pas l'impression qu'on peut le prendre parce que je peux pas le loquer. Non, Bah, il y a équipement, peut-être un inhibiteur et des points d'agilité. Attends, il est où le parachute là ? Tu m'as dit il est pas loin, mais moi je le vois loin, moi. Mais non, il est à 100 mètres, il est ici, regarde. Je sais même pas où t'es, toi, attends. Je suis sous toi. Y'a un matelas ? Regarde là, sur le toit. Je l'ai loqué, il est juste là. Bah vas-y, go, je te suis, vas-y. Okay. Mais on peut forcément prendre le moulin, hein, sinon ils auraient pas mis le moulin. Hein. Tiens, viens. Hop, chop, cascade. Ok, go. Là, laisse-moi tomber. Hop, voilà. Bon, je pense qu'on peut y aller en course. Ah non, mais c'est parce qu'on est en truc ennemi, non ? Je sais pas, vache, c'est quoi ce truc rouge ? Après, énervé. Bah je pense que c'est pas des... c'est une faction qu'on a pas encore vue, non ? Bah je pense pas, sinon elle serait loquée. Bah tant mieux s'il y a personne. Ah, j'ai dit qu'il y avait personne ? Il y a des gens. Mais je les ignore, hein. Ils parlent, hein. Ah ouais. Comment c'est possible que quelqu'un soit ici ? Nous ne sommes donc pas les seuls à faire du parcours ? Tiens, c'est exactement là où j'allais aller. Et ce moment-là, il est peut-être prenable après. Pourquoi après ? C'est bizarre, mais... Attends, on monte. Je te vois, tu stresses, ça se trouve, il est juste pas prenable, hein. Non, je pense qu'il est pas prenable, hein. Oh, Fufu. Oh, y'a un mec ici. Oh, Fufu. Si, je pense qu'il est prenable. Attends. C'est peut-être quand on a débarrassé l'endroit de ces connards. Attends. Non, il est pas prenable. Je pense qu'on doit se barrer. On fait le largage ou pas ? Vas-y, c'est ce que je voulais faire. Il est où ? Il est au-dessus de toi, on est d'accord ? Ouais, attends, il est sur toi. Dernier truc quand même. Oh, ils font des feintes et tout ? Non. Oh non, je suis mort. Hop, cascade. Nickel. Ok. Il est sur le toit de ce bâtiment ? Ok, nickel. Alors comment on va monter ? Ah, j'ai une idée là. J'ai trouvé. Ouais. Hop. De toute façon, ce serait une suite logique. Ok. Non, sérieux ? C'est bon, je suis dessus. Vas-y. C'est bizarre là ce qui s'est passé. Bon bah finalement elle attendra un petit peu hein la Sophie hein. Ouais, elle est juste à côté en plus. Oui, on l'embrasse. Ok. Est-ce que le mieux c'est pas de passer ici ? T'as réussi ? Bon, je suis en train de regarder, j'ai l'impression que j'ai juste fait le tour comme un connard. J'ai dû rater quelque chose. Ah.
Ah là. Hop là. Ok. C'est de la convien, non? C'est de la convien. C'est de la convien? C'est de la convien. C'est de la convien. Alors ça, Fufu... Ah là. Tu l'as? Oui. J'arrive. Hop là. Vous êtes sur le truc du radiateur du climatiseur. Oh la vache. Ouais, mais moi je suis pas serein avec la cascade là dans le jeu. Ok, parfait ça. Donc c'était bien des humains, on est d'accord hein? Ouais, c'est des humains. Oulala. Trop tard, j'ai sauté, Fufu. Ah, t'es en bas? Non, non, je suis en haut. Regarde. Je monte au calme là. Ah ouais? Y'a un bail. Je crois avoir vu un humain, non? C'est trop bizarre. J'ai cru voir un truc. C'est sûr, c'est pas l'ombre? Ok, je monte encore, hein, Fufu. Ah bah oui, continue, hein, je pense la que. La vache. Maintiens, maintiens la touche. Ah, ça c'est bien ça. Merci. Merci de me l'avoir rappelé. Oh la vache, let's go! Ah, allez! Cours! Hey, y'a quoi dedans? Une Alors, batterie, un suite à capuche et une ration. Et regarde, 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 regarde! On peut ouvrir avec la clé du grain. Vas-y, ouvre avec la clé du grain. Hop. Technologie militaire. Ouh, oh, ça... c'est une carte mère, les trucs rares. Ouais, c'est très très rare, technologie militaire. Ça pourra nous servir de monnaie d'échange. Alors, attends, Fufu, parce que en vrai, on a trouvé quoi de ouf là? Moi, j'ai un truc dans l'inventaire. Moi aussi, moi aussi, moi aussi. J'ai bon, trouvé c'est des pas un suite à capuche, je suis un peu triste. Très très bien. Ça. Ah, tu t'es spécialisé ta classe ou pas? Non, du tout. Là, pour le moment, j'équipe que ce que je trouve. Ok, je vais essayer de passer en... Je crois que là, je passe en mode rôdeur pour l'infiltration et tout. Ouais, j'avoue que ça j'ai peut être intéressant. J'ai quasi que des flèches. Tu peux être en mode soigneur. C'est pas mal, ça. Bon, par contre, on descend où, frère? Non. Oh. Ah, là, 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 viens. J'allais dire, t'es une paravoile. Par contre, comment on fait, là? Là, ça me stresse, ce bordel, là. Comment on... Non, là. Fufu, tu m'as poussé! Bah non. N'oublie pas, on peut pas se pousser. Si, 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 je t'assure. Là, pour le coup, sur la tyrolienne, en fait, ton animation, elle m'a... Bon, c'est pas grave, hein, c'est pas de ta faute. Ok, on va voir la petite Sophie. Ouais, on va voir la petite Sophie, je vous suis. Parce que là, on est d'accord, ça, on peut pas le prendre. Hein. Non, j'ai pas l'impression. Ou peut-être plus tard, peut-être qu'il y aura une mission en mode... Vous pouvez nettoyer les zones, tu sais, des autres, d'un autre clan. Un peu comme les capteurs de base dans Far Cry, je sais pas ce que je veux dire, je sais pas. Ouais, ouais, non, non, mais je vois. Je pense que c'est une façon qu'on n'a pas découverte, ça me paraît bizarre, un peu rouge comme ça. Ouais, mais surtout qu'il y a des... Il y a un peu de rouge partout, là. La voiture, elle est rouge, le camion, il a une bâche rouge. Non, non, mais là, c'est... ça a l'air d'être une autre faction, c'est évident, mais... Ah bah c'est peut-être la faction, ça se trouve Sophie va nous dire « Regarde ici, il y a tous les salauds qui ont tué nos amis !» Ah ouais. Merde, on... bah on y revient là. Oh, et si vous alliez chercher ce parachute? Ah ah, t'as entendu? Oui. Détecté. Y'a un bail. Ouais mais là il le trouve plus. Ah si là, 45, 43, 40, 39, 38, 35, 34, où ça, tu 33, 32, 31, 29, 28, 25, 24, 23, 22, 21, 15... Ok, ça va être là. Là, ah, c'était lui que je voulais la dernière fois. Oh non, qu'est-ce qui se passe? Tu l'as? T'es... Ouais, je cherche la porte d'entrée. Ah, est-ce que c'est pas plutôt au plafond, par hasard? Je dirais peut-être oui. Non. C'est écrit close. Attends, regarde, regarde, regarde ce qu'il y a là. Il y a une caisse rouge déjà. Viens, on se débarrasse d'eux, c'est bizarre. Maintenant la touche! Ok, c'est ce que je fais. Ouah! Il m'a esquivé. Et ça, c'est beau. Ouah! Ok, c'est à un triangle, hein. Oui. Oh là! Il prend sa part. Attends, attends, eux, ils sont beaucoup trop forts. Vas-y, pendant qu'il te regarde, je les tape dans le dos. Et dès qu'il nous regarde, tu les tapes. Parfait, 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 parfait. Bandit vaincu. Ah bah tiens, on a eu un bonus. Ouais, ça régale en plus. Allez. Pouh.
Bon, déjà, cette caisse, parce qu'il y a une récompense, essaye de trouver le truc du gras. Vas-y. Ok. Ah ! La vache ! Ok, parfait. Ah, vous avez pénétré dans la zone d'anomalie du Greu. Revenez la nuit pour affronter le monstre. Bon bah c'est pas grave, hein, on va pas perdre trop de temps là-dessus. Non mais ça se trouve, le soir quand le zombie spécial il vient, il sort de là-dedans. Hein. Ah, éliminer pour ouvrir la trappe, pour récupérer les inhibiteurs, bah oui mais c'est écrit. Ah bon? J'ai pas bah vu. Bah oui. Et ben faudra revenir de nuit. Donc qu'est-ce qu'on fait? Attends, je vais checker juste s'il y a de quoi dormir pour passer la nuit à côté, tu vois ou pas? Ouais, je vois. J'ai un truc par exemple là, anomalie du Greu, là j'ai. Tu vois où je le marque? Faudra revenir ici, hein. Oui. De toute façon, c'est à côté de Sophie. Tu vois où j'ai... Non, mais tu vois où je marque à 40 mètres? Oui, là, je viens de voir, là. Et ben, on peut dormir. Allez, go. Hop, voilà. Hop. Vous avez cette quête, vous passerez directement en nuit. Laquelle? Il y a une quête... Là, il y a une histoire, mais... C'est une histoire sans fin. Je suis en train de monter. Moi là, le but c'est trouver le lit. On fait l'anomalie, on parle à Sophie, c'était un bel épisode. Sinon, là, je suis un peu déçu. Ok, j'ai le lit, c'est bon. Ok, vas-y. C'est bon, je t'attends. Je suis derrière toi. Vas-y, go. Allez, on fait l'anomalie, on va voir Sophie. Bonne fin d'épisode. Et bonne fin d'année. On n'aura pas le temps, on fait déjà l'anomalie, on ira voir Sophie plus tard. On viendra se reposer ici. Allez, tu te souviens, c'était derrière. Ça, c'est à côté de Sophie. Attends, je me souviens plus exactement où c'est. Là, ici. Attends, bouge pas. Il y a un hurleur, fais attention. Ouais, ok, c'était là où t'es, effectivement. Prends une bonne arme, hein, sur toi. Bah, je prends ma meilleure, hein. Celle que j'ai modif. Ok. Tiens, regarde, hop, il est sorti par la trappe, hein. Exactement comme c'était prévu. Tu le vois ou pas? Ouais. Oh, mec, on va galérer, hein. Pourquoi? Regarde ce que c'est. Tu vois, il a ouvert la trappe et il est sorti. Ah, t'es sur moi. Je jette des pétards. Il s'en va les couilles. Allez, go, on va le baiser. Yo! Ah! Anomalie du Greu. Les anomalies du Greu sont un repère de revenants. Affronter le revenant, hein, une fois le revenant vaincu, à proximité. Super. Mais il a quoi le revenant? À part qu'il revient. Ah, je pense qu'il est fort. Ah? Il est où? Ok, ça c'est beau, ça c'est un beau pouvoir. Il a sauté là-bas. Brûle, s'il te plaît. Je peux mourir, monsieur. Nous savons Peter Parker, on t'a reconnu, hein. Je peux mourir, monsieur. Ah, il est ralenti. Bien joué. Ah, il y a des ZAD. Hop, j'ai sauté par-dessus lui, miskin, hein. Tellement c'est notre but, hein, faut le savoir. Oui, ah bah ça... T'as trop gaffe, il y a des ZAD. Oh oh, vas-y, viens. Attends, je jette un truc pour voir si ça les attire ou pas. Il est où, le man? Oh, je sais pas, mais je suis... Il vers toi. Oh non, c'est trop, frère. Oh putain, mais... Attends. Oh lolo, lolo. Il se barre. Frère. Il est où? Il lui reste un HP à l'anomalie. C'est bon, c'est bon, fait. Non. Bah tu l'as fait, bien joué. Mort. Ah, il fuyait? Non, non, il est là. Mais frère. Il veut pas mourir, gros. Faut que tu m'aides, hein, Fufu, hein. Je suis... Il est mort. Bah oui. Attends. Il lui restait un HP. Eh oui, je sais. Mais j'étais tout seul. Oh mais putain, mais mourez, merde. Je pense qu'on peut fuir là, ils sont trop nombreux. T'as fouillé? Lui, j'ai fouillé. Il a un smartphone. Oh non. Ah, oh là, oh, j'ai envie... J'allais dire j'ai envie de mourir, mais c'est en cours, donc quoi? On vient de me tabasser gratuitement là. On vient de me gratter le dos, hein. Oh putain, les ZAD, ils sont encore là. Allez. Oh là là, la gueule qu'ils ont, putain. Allez, bichette, regarde, c'est ça. Bon. Ouf. Boum. Il y a un man ici à fouiller. De quoi t'as fait quoi? Ah, bah voilà. J'ai pris la bonbonne et... On va pouvoir s'arrêter sur une note très positive. Ok. Allez. Boum. C'était pas si difficile que ça. Oh, il y a deux inhibiteurs.
Mais en fait, je crois qu'on est étonné, mais il y en a deux à chaque fois. Hein. Ah ouais? Oui, bah, jusque-là, on n'a jamais eu un seul inhibiteur à part dans le tuto. Oh, j'ai une veste! Alors, attends. Oh, putain, prends là le... Le truc, là, l'insuline. Alors, attends. Attends. Inventaire. J'ai toujours pas un pantalon. T'arrives à trouver des pantalons, toi? Moi, j'en ai deux, même. Bah, mec, tu m'en diras tant, alors, parce que, putain... Après, moi, j'ai pas de veste. Toi, tu te spécialises médecin, rôdeur, qu'est-ce qui se passe, bibiche? Je pense que je vais être tank. Tank? Ouais, c'est bien, tank, ça a l'air pas mal. Hein. Comme ça, je vais faire... Et je vais taper tout le monde. Tank, mais pour le moment, j'ai que du caca. Du kéké? Ouais. Veste de Roddy. On se casse? Attends, quoi? Comment on part? C'est bon. Bon! On saute. On va se coucher et on va pouvoir s'arrêter là. En plus, il reste que 2 minutes. Hein. Ouais, une minute est faible. Tu te souviens où est le bordel? Ouais, à 60 mètres. Vas-y, je te suis. 60 mètres dans cette direction? Ouais, à gauche. Ok. C'est juste pour se mettre sur le bon toit. Ah oui. Ok, et eh ben, c'était un bel épisode, hein! Ouais, non mais. Ouais, y'a Sophie qui nous attend depuis 3 jours. Genre la nuit est tombée. Ah merde, ouais. C'est à gauche! Bon, elle est toujours sur son toit et tout. Mais non, mais là, c'est Sophie là. Ouais, mais tu lui parles pas, tu passes à côté et pouf. Oh, ouais, mais ouais. Et ben voilà, allez, on va s'arrêter là, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire, parce que ça fait toujours plaisir, un j'aime et un commentaire. Des bisous tout le monde, reposez-vous bien! Et restez sous les UV. Et restez toujours sous les UV, évidemment. Ciao, ciao! Bye!